Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo découverte sur un jeu Xbox Live Arcade. Donc, il s'agit donc de The Beckoning. Alors The Beckoning, aucune idée de ce que c'est. J'ai vu ce nom, j'ai fait ok, ça c'est à tester. Non, play trial direct. Déjà c'est en anglais, donc ça va être la merde. Moi et mon anglais. Vas-y, start quest. Non. Select, je peux pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça marche pas déjà? Ouais, select. Ah mais non. Ah oui, d'accord. Voilà. Qu'est-ce que ça pouvait se mettre en français? Je suis con. Enfin, on va voir. On va voir ce que ça donne. Un jeu qui est sorti le 31 août 2011, développé par Haunted Games. Ok, toujours des graphismes très typés. On s'en connaît sur le Xbox Live Arcade, c'est sorti sur toutes les plateformes. PSN, Xbox Live Arcade, Mac, PC. Donc voilà. Toutes les plateformes HD, pardon. Ouais, donc je comprends pas ce que tu dis. Oula. Ouais. X ça tape, A ça tape, B ça tire, Y ça tape. Ok. The first outhouse. Vas-y. Je comprends pas ce que tu dis, donc ça va être problématique. Téléporte. Non, pas de téléporte. Enculé. Ça sent la merde ça. Toi ça a l'air marrant. Pour le coup, je suis pas fan des graphismes 3D sur le Xbox Live Arcade. Généralement, ça fait jeu au rabais, je trouve. Putain, on peut même pas se... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi qui ai fait ça? J'appuie sur une gâchette. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Oula, oula. On se calme, on se calme. Oula. Ouais. Ça sent un peu le... classique, hein. On voit beaucoup des jeux dans ce genre où il faut taper tout ce qu'il y a à l'écran. Je vous laisse écouter la musique, je la trouve sympa. Il y a un slip. On dirait quand même un slip ça. Round hole meets square peg. Voilà, on ouvre. Ouh. Ok. Il y a énormément d'ennemis, hein, j'ai l'impression. Par contre, ils valent rien. Hein. Je cours, j'appuie sur A. Ouais, comment je bloque? D'accord, comme ça. Ça, c'est l'inventaire, ok. Ça, c'est la carte. Ça, je sais pas ce que c'est. On va pas bloquer, je vois pas pourquoi. J'ai de la vie? Ah, mais j'ai de la vie qui se fait dégommer, en fait. Je vais comme un connard depuis tout à l'heure et je vois ma vie en bas qui se fait éclater. Donc il y a des chances que je vais crever. Oh, je vais crever, dis donc. Parce que j'ai rien pour... J'ai rien pour mettre de la vie. Ah, je vais mourir direct. Comme un gros loser. Non, je vais pas mourir. Ah, je peux pas, ah, si. Ah, bah, je suis... Ouais, voilà, je suis mort. Ah, c'est... Ça, on sent pas en fait qu'on se fait toucher. Moi, j'ai l'habitude d'avoir des vibrations à chaque... à chaque fois que je me fais toucher, et là... Et là, walou. On va laisser monter. Ah, ça ne remet que la moitié. Ah, merde, voilà, je les avais en bas, les potions, en fait. Je viens de voir. Si je fais flèche droite, voilà. On va ramasser celle-là, alors, du coup. Voilà, j'en ai 5. On va pouvoir y aller un peu plus dans le tas, c'est quoi ça? Ah, c'était peut-être... D'accord, c'était les sous que j'avais tout à l'heure. C'est quoi? Gentle bovine. Ouais. What have they done to you? Ok. Who would steal a cow prosthesis? And why? What do you know of these foul creatures? Fascinating. A blend of my ancient orcish foes. Je comprends pas ce que tu dis. I too. Et puis c'est long en plus, le dialogue avec la vache. Alors, LP option, setting. Ah, vidéo setting. Ok. D'accord.
Ça sauvegarde des trucs que j'ai pas changé. Game setting. Ok, c'est pas en français. Et en plus... Si, on y voit. J'avais l'impression qu'on voyait rien. Oh, ta gueule. Hey, il est costaud, lui. Crève. Oh là là. Ouh, j'ai pris une branlée. Bon, étant donné que c'est en anglais, je peux pas... Oh merde, je vais encore crever, oui. Je me fais encore latter la gueule. Je vais me faire latter les couilles. Allez. Et c'est lui qui m'envoie des trucs dans la gueule depuis tout à l'heure, là. Crève. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas mort. Et là, j'ai pas compris. Ah non. Bon, j'ai pas compris. Ça fait quoi si je tape là-dedans? Ah, ça me fait mourir. Ouais, c'était intelligent. Je sais pas trop quoi dire là, parce que niveau graphisme, moi ça me plaît pas trop, même si c'est assez délire. C'est pas mon grand trip. Après, ça a l'air assez déjanté, mais c'est en anglais, donc je comprends pas ce qu'ils disent. Enfin bon, on a l'air d'être sur du n'importe quoi. On a vu un petit dialogue avec une vache, donc. Je sais pas, j'ai pas vu du tout les critiques dans la presse, ce que ça donnait. Qu'est-ce que c'est, Y? Je vois en bas les... Ouais. On va récupérer tout ça, là. Mes sous. Du sushi, apparemment, j'ai. Juste sur le côté. Bon, on se calme. Je vais remettre de la vie de suite. Putain, je me fais poutrer. Je dois jouer comme un pied. Il doit y avoir une technique bien plus... Voilà. Vas-y, qu'on remet de la vie, qu'on crame les potions. C'est fou, ils me font super mal. C'est pas la bonne technique, hein. Je dois pas utiliser... Voilà, je suis encore mort. Crève. Crève aussi. Ok. 10 morts, réflexe damage, increase health. Ok. On va rajouter de la vie, ça me fera pas de mal. Ok. Je sais même pas si ça a marché. Qu'est-ce que c'est ça? Alors lui il va me parler, je vais pas comprendre. Je peux pas passer. I have a name, you know. Hey, that's great. But what incredible coincidence brings me to you. J'ai compris un truc. We should do lunch. Get our chili on. Deathspank, surely you've noticed that the city is in ruins. Deathspank, c'est pas un jeu ça aussi? J'essaie de comprendre, mais. I detected a massive influx of Thongli energy. Très très mauvais. Then boom. These horrible creatures appeared. Ouais, on m'a remis de la vie. Have you been wearing all C'est mon nom, Deathspank. At the same time? Je trouve ça bizarre. Well, maybe. You fool. J'aime bien la voix, par contre, du mec. Were never meant to be worn together. Doing ça sent l'idiot un peu. Created a foul copy of yourself. That horrible creature, that anti-spank, puts the entire world at risk. Allez. I beg you, Deathspank. Les dialogues sont hyper longs et vu que je comprends rien, ça me paraît interminable. C'est con, hein, pour un gars qui joue aux jeux vidéo de... qu'est-ce qu'il y a? Voilà, on me donne des quêtes, je sais pas ce qu'il faut faire. C'est très bizarre. Mais il faut que je tue les stupid chicken. Voilà, j'en ai tué 4. Il y en a un qui est caché là. Là c'est un hold de bouton while your rank weapon appear to charge. Ok. Si. Non. J'ai beau maintenir. Là je sais pas ce que je leur fais. Ah, il y a de la magie. J'étais en train de les glacer un peu leur gueule. Ah bah merde, je me suis suicidé. Je suis pas la moitié d'un boulet. Bon, ouais. Pas convaincu là pour le coup. Mais c'est parce que je comprends pas ce qu'il faut faire, alors forcément. Ouais, d'accord. En gros, je suis tellement mauvais qu'ils m'ont rajouté de la vie, j'ai l'impression. Je vais voir ailleurs ce qui se passe. Ah, là, il y a un coffre, il va voir. Allez, ouvre le coffre.
Après j'aime bien Ice Grenade. Ah d'accord. Ah, qu'est-ce que c'est? En fait on voit l'interface en bas hein. À gauche et à droite vous avez l'utilité des boutons. Donc on voit que X ça sert pour les Ice Grenades apparemment. J'aime bien les décors mais j'aime pas trop la gueule qu'a le personnage en fait. Ah d'accord, c'était super dur. Oh là là. Look, there's no time to argue. Tell me the quickest way out of the city. Well, that's on the other side of the door, isn't it? Il a vraiment une voix de boulet, quoi, le héros, je trouve. Grosse voix de bof. Replicator. The greatest invention of our age. After karaoke. Word. And what pray tell is the replicator code? Mais le fait qu'on puisse pas passer les dialogues me saoule parce que d'habitude je m'intéresse au scénar, mais là, vu que je comprends pas, je peux pas m'intéresser. Encore une nouvelle. Ah, mais en plus faut choisir le texte qu'on répond. Tell me how I would program the replicator. The replicator uses advanced punch card technology. Bla 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 bla. Bla 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 bla. You'll find. Quoi? Allez! You could find. Ah! Putain, je peux appuyer sur B! On s'en fout! Wouh! Ouais, j'ai fini! J'entendais Stupid Chicken! Putain, ta gueule! Bon, je sais pas trop quoi dire, ouais. Vous voyez à peu près le principe, hein. C'est très très fin. Moi, je joue comme un pied. Je vais encore crever, putain, c'est pas vrai. Putain, mets de la vie. Ah, j'en ai plus de vie maintenant. Bon, ben ouais, je crois que je vais avoir fait le tour de la vidéo pour ce coup-ci. Green Alien. Bien sûr. What a delight to see your bonus hits. Je suis en plein combat et le mec il s'arrête pour parler avec quelqu'un. That's super. Much danger, Deathfang. Green aliens are in. Ouais. Putain, ils sont gavés longs les dialogues. Oh putain. Non mais je vais mourir de toute façon, alors c'est pas la peine de me donner un équipement. Voilà, hop hop. J'ai vu un équipement, on m'a donné quelque chose, c'est quoi ça? Je sais même pas à quoi sert quoi. Ça. J'appuie sur A, mais je sais pas où est mon pistolet, donc... Là. Non, ça sert à rien, j'ai l'impression, ça marche pas bien. Voilà. Bon, ouais. Je vais en rester là pour cette vidéo parce que je suis pas très convaincu et que vous me voyez en mode lose suprême. Donc, je pense que vous en avez bien profité et qu'on va. On va en rester là. Je vous conseille d'essayer le jeu comme d'hab. Hein. Je vais remourir, regardez. Ouais, je vous conseille d'essayer le jeu pour voir ce que vous en pensez. Moi, je suis pas convaincu pour le coup. D'autres jeux m'ont bien plus convaincu que ça. Ah, j'ai même droit au game over, je dirais. Ah non. Bon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci à tous de suivre mes vidéos. Bye bye.